Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons un chef d'écurie et pas des moindres, Daniel Voirin et son poulain Mathieu Letot-Duclos. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lucie. Ça y est, il me fait déjà rire celui-ci. La team Voirin, c'est la montée en puissance du moment. On va en parler plus largement dans cette émission, mais avant cela, eh bien, il y a le tour de l'actualité avec Sébastien Love. Des combats à fort rebondissement au Arès, tout d'abord. Oui, le Arès, 11e édition, donc, qui a vu la victoire d'Abdoul Abdouraguimov à la fin du 5e round. C'était vraiment très, très difficile. Donc, c'était une deuxième ceinture pour lui. Il l'avait déjà en welterweight. Il la chope donc maintenant en middleweight. La victoire de Amin Ayoub contre Oudela. La victoire de Baki Shamsoudinov contre Viana. La défaite, de Miri contre Pedroni. Ouais, gros revers. Ouais, gros revers pour Assia Miri. Et par contre, la victoire sublime d'Alexandra Tekena, qu'on avait eu en invité, qui gagne par KO et qui finit par dire Y a quoi ? Bref, c'est encore une belle édition du Arès. La victoire de Baki, on va revenir sur Shamsoudinov, qui fait parler de lui en ce moment. Exactement. Alors, face au Brésilien, il s'est illustré une nouvelle fois, mais il y a une polémique, il fait couler l'encre, puisque aujourd'hui, eh bien, il se trash talk, entre guillemets, avec Cédric Doumbé, qui est au MMAGP, qui devrait, normalement, si tout va bien, signer au MMAGP en mars prochain. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait avoir un combat entre Shamsoudinov et Doumbé, selon toi? Il pourrait y avoir un combat entre Shamsoudinov et Doumbé, mais pas à Arès. Doumbé n'est pas à l'Arès, il est pour le moment encore sous contrat avec le MMA Grand Prix. Il risque de combattre, il y a de fortes probabilités pour qu'il combatte le 4 mars, Doumbé, mais pas contre Shamsoudinov. Baki, moi j'ai déjà expliqué, c'est un très bon combattant, c'est un 6-0, il est très bien. Là, il fait une victoire par décision contre Viana. J'adore ce combattant, Baki, mais en face, c'est Doumbé. C'est pas n'importe qui, même si Doumbé en MMA, c'est pas encore, mais c'est quand même un monstre, c'est un grand combattant. Moi, ce combat, personnellement, Shamsoudinov-Doumbé, ben, ça ne me fait pas rêver. Il y a autre chose avant de les voir. C'est deux très bons combattants. Baki, il a encore des armes à faire. Également pour Cédric, qui doit encore combattre en MMA pour se faire encore un palmarès un peu plus étoffé. Mais ce n'est pas le combat où je me dis ouais, « je veux absolument voir ce combat ». Non, ça serait une très belle opposition de style. Le lutteur contre le striker. Voilà, pour le moment, laissons grandir et Baki et Doumbé avant peut-être de les voir, je pense, au MMA Grand Prix. Mais de toute façon, à l'arrêt, j'y crois pas de tout. Personnellement, moi, c'est un combat que j'aimerais voir. Maintenant, c'est un combat que j'aimerais voir plutôt à un autre niveau, effectivement. Pas forcément à un niveau local, parce que ce sont deux personnes qu'on a envie de retrouver à haut niveau. Vous, messieurs, vous auriez envie de voir ce combat? Non, franchement, pas du tout. Non. Et comme il dit Sébastien, il a raison, Doumbé... C'est un autre niveau, quoi. Ouais, c'est champion du glory. Moi, je pense que ce serait un combat intéressant. Hein, parce que c'est vrai que Cédric, c'est un énorme striker. Ultra haut niveau en termes de striking, il n'y a pas photo. Hein, c'est pas du tout le même niveau. Mais le MMA, c'est pas pareil. Hein. Le MMA, c'est pas pareil. En plus, Baki, il est endurant. Il est costaud aussi. Il peut mettre la pression et casser son jeu. Donc, franchement, je serais curieux de voir le résultat. Bah, ouais, la différence entre vous, les vieux, et vous, les jeunes. Non, mais ils n'ont pas de respect pour les anciens. C'est ça, en fait. Tout se perd, je l'avais dit. Moi, je suis pour Doumbé. Quoi qu'il arrive, j'aime le kickboxing, j'aime le Muay Thai. Allez, Doumbé. Alors, un fait suffisamment rare pour être souligné, un autre combattant a défié Doumbé en off, cette fois-ci, pas dans les médias, voilà, pas de manière étincelante comme Baki. C'est Emerson Silva. C'est un poulain à toi, on l'avait découvert d'ailleurs au MMAGP. Et donc il aimerait bien combattre Cédric Doumbé. Je pense que c'est intéressant de le souligner parce que voilà, il a du courage, Emerson Silva. Il faut du courage pour défier Cédric. Et puis je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps là, de défier Cédric Doumbé. Mais c'est une vraie info ou pas? Oui, c'est une vraie info. C'est vrai que moi, il m'en avait parlé à l'époque et je lui ai dit, bon, je pense pas que ça va se faire. Mais c'est lui qui avait demandé d'ailleurs à Abdel, hein, je crois. Ouais, il avait envoyé des messages. Même Abdel m'en avait parlé. Pour toi? S'il est chaud, on y va, hein, je veux dire, mais faut faire attention, Doumbé, il est solide hein, quand même. Hein. Il y en a trop qui le moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le sous-estime. C'est ça, exactement. Ce week-end était également marqué par le retour du Hexagone MMA, 6e édition, une configuration à 3000 places. Et figurez-vous qu'il n'y avait plus aucune place de libre dans la salle. Gros succès donc, et on va débriefer cette soirée, honneur aux dames. D'abord avec Nora Cornol. Alors là, en termes de violence, on est sur une valeur sûre. Valeur sûre, Nora. Mais oui, Nora, pourquoi? Parce
qu'elle vient du Muay Thai, ni plus ni moins. Ouais. Oui, elle l'a très bien exprimé. Moi, j'ai adoré ce combat. Son stand-up, il est parfait. J'aime bien voir les combattants rentrer avec les coudes. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis la pression. Bravo, Nora, elle grimpe, elle monte. Et je pense qu'on va vraiment l'entendre parler encore plus. Et surtout, elle a montré une sacrée polyvalence, une belle marge de progression. Hein. Ouais. Petite info, Nora, elle a fait tout son camp à la Team Voir. Hein. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. On l'a dit en commentaire. Mais ça, faut le préciser. Hein. Ah. C'est la Team Voir. Donc, c'est important de le dire. On l'a vu souvent, hein, quand même. Hein. Mais alors, avec qui elle tourne? Parce que tu n'as pas d'autres filles, en fait. Ouais, c'était assez compliqué. Elle tournait avec. Elle est solide, quand même, parce qu'elle a pris des coups. Elle tournait avec des gars qui sont. Bon, des fois, ils se lâchaient un petit peu, mais elle revenait quand même. Ouais. Non, c'est une guerrière. Elle s'est donné les moyens, parce qu'il faut savoir qu'elle habite Épinay-sur-Seine, d'Épinay jusqu'à Vitry. Une heure et demie de trajet. Elle venait quand même au moins trois fois par semaine, voire quatre. Ah, oui, elle avait vraiment fait presque tout son camp chez nous. Et bon, je suis content pour elle. D'ailleurs, son coach de pied-point, qui est Redouane, c'est un gars de ma salle que j'ai connu tout petit, qui est champion d'Europe de Muay Thai. Et voilà, quoi, on est en famille. Quoi. Ah, c'est bien. On nous a aussi murmuré à l'oreille qu'elle faisait de très gros rebonds après la pesée. Ouais, c'est vrai qu'elle est solide. Hein. Ça, par contre, je ne gère pas ça. C'est plus Mathieu Nicourt, parce que c'est son vrai coach du MMA. Hein. Nous, elle est là, elle a combattu à 61. Mais c'est vrai qu'elle est énorme. Elle n'était pas loin de 70, là, pour le exactement. Elle est à 70, à peu près. Ce qu'on ne voit pas dans le Muay Thai, mais ce qu'on voit énormément dans le MMA. Et c'est vrai que pour elle, ce n'est pas forcément habituel. Tu es à 61, le soir du combat, tu es à 70. Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Mais elle souffre, elle a souffert. Non, mais voilà, c'est ça. C'est, qui dit gros rebond dit grosse souffrance, soit dans la baignoire, soit dans le sauna. Donc, j'imagine que ça n'a pas été simple. En tout cas, elle a réussi à valoriser son sport d'origine, donc le Muay Thai, ce qui n'a pas forcément été, malheureusement, le cas pour Stéphanie Yelopej. Non, elle a subi le game plan d'Eva Dourte, qui était bien mis en place. C'était ne surtout pas s'opposer en striking à Yelopej. Évidemment, Yelo, gros niveau de pied-point. Bah, Eva Dourte, elle a été intelligente. Alors, c'est un peu au détriment de la beauté du spectacle. Moi, je trouve que le combat, personnellement, attention, avec tout le respect que je dois à ces deux combattantes, je me suis un peu ennuyé parce que les phases au sol, elle est restée au sol. Il y a eu quelques échanges en striking quand Yelo a réussi à se lever. Mais par contre, intelligence de combat d'Eva Dourte, c'était le moyen pour gagner. Et puis, surtout pas la laisser s'exprimer à distance. Ouais. Enfin, à un moment donné, elle ne fait pas ça non plus pour toi ou pour le public. Bien sûr, elle fait ça pour gagner, pour avoir gagner. Le bras levé et remonter sa cote. Elle qui n'avait pas combattu depuis 2 ans. Ouais. Donc, il fallait quand même réussir à revenir face à Yelopej, qui était une concurrente très sérieuse. On a beaucoup aimé, en tout cas, la sportivité de Yelo, hein, qui finit avec le sourire. Vraiment une grande dame, je tiens à le souligner. Les deux ont du mérite, donc félicitations à ces deux jeunes filles. Pour moi, personnellement, c'est le MMA féminin qui a gagné ce soir-là. Il y en a eu énormément. Laetitia Blo, la pauvre, inconsolable, elle a perdu sa ceinture. Elle perd sa ceinture contre Ernesta Karekaite. De ma chaise, hein, moi, je vois Laetitia Blo perdre. Alors, je sais qu'il y a une polémique, il y en a qui la voient gagner. Moi, je trouve que le stand-up d'Ernesta était parfait. Elle a bien géré son combat. Laetitia a emmené plusieurs fois au sol. Mais je me suis renseigné auprès des juges. Parce que je voulais savoir, je dis peut-être que moi, ma vision fait que je me trompe, je ne suis pas arbitre. Hein. Mais donc, j'ai demandé comment on juge un combat comme ça. Parce que j'ai entendu, c'est Charles-Henri, je crois, qui a posté sur différents réseaux sociaux, qui s'était fait voler parce que Laetitia a pu s'emmener au sol. Donc, j'ai demandé aux arbitres. Il y a plusieurs critères de notation. Le premier critère, ce sont les frappes effectives. Les frappes effectives, ce sont les frappes qui touchent, qui abîment. Et effectivement, on peut constater qu'Ernesta a vraiment frappé et touché. Alors, c'est pas parce que Laetitia a le visage un peu abîmé que les frappes sont très fortes. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Mais pour le coup, en visionnant bien le combat, on voit qu'elle a quand même pris pas mal de coups. Si ce premier critère, on n'arrive pas à départager, il y a un deuxième critère, l'agressivité effective, c'est-à-dire avancer et toucher. C'est ce qu'a fait Ernesta, finalement. Elle était agressive aussi, Laetitia. Oui, Laetitia aussi, mais elle ne touchait pas. Elle avançait, mais on n'a pas vu. Elle partait un petit peu avec des overhand qui ne touchaient pas. Et le dernier critère, si on n'arrive toujours pas à les départager, c'est le cage control. C'est-à-dire que le game plan mis en place a fonctionné. Voilà, ce sont ces trois critères. Alors, visiblement, quand c'est une décision partagée, même les juges n'est pas... Alors, pour je vous mets dans la confidence, il y a un juge qui a donné 5 rounds pour Laetitia Blo. Alors, c'est ça. Il y en a un qui donne 3-2. Alors, 3-2 pour Ernesta. Un autre qui donne 4-1 pour Ernesta. Et un autre qui donne 5-0 pour Laetitia. Donc, en fait, personne n'est en harmonie. Personne ne s'est entendu là-dessus. Donc là, ça veut dire qu'en termes de formation d'arbitrage, il y a peut-être un petit souci aussi. Et on le voit dans beaucoup de combats. Je trouve que le système de notation change. Des fois, on regarde des combats, on se dit mais non, la décision... Il y a plusieurs combats comme ça, plusieurs exemples. Et tu le disais fort justement...
j'ai l'impression que ça change. Maintenant, j'ai l'impression qu'on note plus la personne qui veut en découdre. Bah, quelque part, c'est pas plus mal. Parce c'est pas que, plus mal, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pas plus mal. Pas seulement la personne qui veut en découdre, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que les strikers maintenant sont plus valorisés. Dis-moi si je me trompe, Daniel, toi, tu as vécu pratiquement toute l'histoire du MMA. À l'époque, je me souviens très bien quand moi j'ai commencé. Si on t'amenait au sol, t'avais pratiquement perdu ton round. Ouais, c'est clair. Donc, là, les take-downs, ça coûte énormément. Il y a 10 ans, Laetitia gagne ce combat. Hein. Oui, oui, j'en pense. Mais maintenant, on est sur une valorisation des dégâts. Et alors, qu'est-ce qui est considéré comme dégâts? C'est chaque petit coup, chaque pitchinette. Voilà, tout ça est comptabilisé. Donc, il faut être généreux maintenant. Oui, mais ceci dit, c'est bien. Moi, j'ai vécu cette situation avec Tarek Safedin quand il avait combattu Woodley. Woodley, c'était au Strike Force à l'époque. Comme il avait peur des coups, Woodley l'a mis au sol. Et il contrôlait bien Woodley. Il ne se passait rien du tout. Pendant 15 minutes, Tarek perd. Combat hyper frustrant. Je veux dire, il ne s'est rien passé. C'était du corps à corps au sol. Donc c'est pour favoriser une certaine dynamique dans le combat finalement. Bah ouais, bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Sinon c'est un combat de lutte à la caucasienne. Exactement. Non, on veut voir un peu d'impact. Voilà, c'est ça. Les gens, ça reste quand même un spectacle. Hein. Les gens ils payent pour du spectacle. Ils veulent voir, ils veulent voir un bon échange quoi, des KO. Alors c'est donc il y a une vraie inversion. C'est-à-dire qu'à l'époque les lutteurs étaient hyper avantagés dans le MMA. Aujourd'hui on se demande presque si les strikers ne sont pas avantagés. Bah, ça à voir, hein, parce que des fois aussi c'est au cas par cas, hein. Des fois on voit des trucs un peu... Mais moi j'avais vu aussi un combat une fois où la fille, elle a été dominée, mais elle frappait beaucoup en bas, et c'est elle qui avait gagné. Ça j'avais été étonné, ça. Vous vous souvenez de Bas Rutten, Kevin Randleman, la ceinture de l'UFC à l'époque. Bas Rutten il passe presque tout le combat au sol, mais il donne tous les coups, il gagne le combat. Ouais, parce que l'autre faisait rien. Il est au sol, voilà, il faisait rien, mais par contre, voilà, il y avait... Et ça paraît logique quelque part. Mais oui, c'est logique. Et là les frappes effectives d'Ernesta, mais on peut pas dire, mais c'est évident. Laetitia a pris beaucoup de coups, même si elle amène au sol. Après, encore une fois, si on me dit que Laetitia gagne, je ne suis pas choqué. On me dit que, voilà. Mais par contre, il faut être clair dans les règles. C'est ça le problème. Ouais. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Voilà. Donc, on ne sait pas. Exactement. Voilà, exactement. Si tu es clair dès le début, OK, mais là, ce n'est pas clair. Ouais. Donc, je comprends la frustration de l'entraîneur de Laetitia quand même. Hein. C'est normal. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, l'autre combat qui nous intéresse, c'est le tien, Mathieu, face à un adversaire à la morphologie hors norme. D'ailleurs, la cage qui est petite au hexagone, hein, ça ne t'avantageait pas du tout. Et puis ce combattant, franchement, il sortait tout droit d'un film. Non, mais vraiment. Il sortait de Tchernobyl, on aurait dit. Mais écoute, il avait des trapèzes et des dorsaux que je n'avais jamais vus sur un film. C'est vrai qu'il était buff. Alors bon, quelle vitamine il prend, ça nous ne le saurons pas. Est-ce que tu as été impressionné par son gabarit en entrant dans la cage? Parce que personnellement, moi, je me suis dit, waouh. Non. Non, pas toi? Non, vraiment non. C'est puisqu'il y a des mecs qui arrivent qui sont super musclés, qui savent rien faire avec leurs muscles, donc il ne faut pas être impressionné. Puis c'était pas le premier combattant, on va dire, saucé, entre guillemets, que j'ai affronté. Entre guillemets. Donc ça va. Comme d'habitude, tu nous as fait réagir, parce que vraiment, on a fait le plein d'émotions avec toi. Hein. Mais comme à ton habitude, on passe par des grands bas, des grands hauts, des grands bas, de nouveau, etc. Donc au début, tu nous as fait un petit peu peur, puis finalement, tu nous as fait une remontada. Regardez le replay de ce combat. Zagania już! Jest! Do przodu, łapem wysoko! Je voulais mettre un coup de pied. Mais... Incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les premiers instants? À un moment donné, tu te prends une tornade, tu te dis quoi? Allez, encaisse la tempête, sors le parapluie, qu'est-ce que tu te dis? De toute façon, on avait déjà un petit peu analysé le profil avec Daniel. On savait que c'était le genre de gars, début de round, ultra intense, ultra fort, ultra physique. Donc j'ai été préparé. À l'entraînement, c'est ce que vous aviez préparé? Que tu t'entraînais avec quelqu'un qui te rentrait dedans les premières secondes? Ouais, on avait la chance d'avoir Elvis qui est à la salle, qui a combattu Lares aussi. Malheureusement, il n'a pas gagné son combat, mais il a fait un bon combat. Et il vient juste de commencer le MMA,
Et par contre, en striking, il est très fort. Et on a pu bien travailler ensemble. Il fonçait sur moi dès le début du round. Il mettait la pression. Donc, c'était un très bon sparring. Puis après, il y a aussi Benoît, hein, qui, pareil, qui aime bien mettre la pression. Et plein d'autres mecs de qualité à la salle qui font pareil. Il te touche au début, non? T'es touché On voit qu'il touche aux images, mais il touche jamais clean, en fait. Il touche, c'est-à-dire qu'il n'est pas précis. Et les impacts n'étaient pas lourds? Ça va, franchement, ça va. Au début, je sentais juste qu'il y avait beaucoup de... Je reculais beaucoup sur ses coups, parce qu'en fait, il avançait tout le temps, il mettait beaucoup de pression. Mais je sentais pas que c'était, par exemple, le Georgien que j'ai pris mon dernier combat hexagone. Il tapait beaucoup plus dur, rien à voir. Ah ouais. Vraiment, c'était beaucoup plus dangereux, beaucoup plus... des vrais coups qui pouvaient vraiment me blesser. Là, j'ai pas senti de coups qui pouvaient me blesser. Et ensuite, en lutte, j'ai senti qu'il était fort. Mais je sentais que c'était pas de la technique, c'était pas des leviers, c'était vraiment que de la force pure. Et je me suis dit, ça dure pas longtemps. Ouais, au bout d'une minute. Ouais. De toute façon, quand je... Dès que je me suis retrouvé dos contre la cage, que j'ai vu qu'il me serrait, j'ai fait, bon, bah, mon coco, là, je vois que tu te fatigues. Moi, je récupère. En fait, on se laisse impressionner par les muscles, mais d'un autre côté, encore faut-il savoir les utiliser. Et deux, ça peut être un problème parce qu'on congestionne plus vite, c'est ça? Exactement. Mais par contre, est-ce que tu t'es imaginé que tu allais l'amener au sol? Non, parce que franchement, on se dit, le gars, pour l'amener au sol, c'est compliqué. Alors, c'est comme mon dernier adversaire. En fait, c'est des mecs qui sont plus petits, qui sont vraiment quand même des cubes, en fait. C'est des cubes, les gars. Au début de round, quand ils sont tout frais, ça peut être dur de les amener au sol parce qu'ils ont les hanches bien fortes, ils sont encore bien stables, ils ont les bons appuis. Dès qu'il y a un peu moins de jus, c'est tout de suite plus facile. En fait, ils basent vraiment toute leur défense sur du physique. D'accord. Sur du physique, de l'équilibre. Et dès que tu leur enlèves ça, un peu de physique, techniquement, c'est pas les meilleurs en général. Donc la mise au sol qu'il a mise, c'était vraiment technique. Hein. Ouais, là, il a vraiment joué sur le déséquilibre. Exactement. Donc, même s'il est puissant, il tombe. Là, si t'es fatigué, c'est amené au sol. Là, je l'avais vu en Bulgarie avec Niklas, un coach bulgare. Si t'es fatigué, même si t'es bon, c'est compliqué de tenir. Le game plan, c'était donc de faire le toréador et tu l'as super bien fait. On aime bien les histoires originales ici et toi, tu en as une assez originale. Tu viens de la force athlétique. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous dire si sa force à lui était athlétique ou naturelle. Non, j'ai vu dire. Mais quels sont tes max? Alors, parce que tu viens de la force athlétique, tu étais au niveau national. Quels étaient tes max? Alors, j'avais en squat un 180. Wow. En soulevé j'avais 220. Et en couché, j'étais pas terrible, j'avais 122,5. Ouais, donc tu l'arraches facile, le polonais. 220. C'est pas énorme. Ça paraît beaucoup. Si, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme. Je faisais pas ça sérieusement. C'est pas énorme, il dit. C'est pas vrai. Il est modeste. On va tous retourner dans la salle. T'as des mecs qui se souvenaient des trucs de malade, vraiment. Ouais. C'était incroyable. Mais non, vraiment, en force athlétique, c'est pas excellent, surtout pour mon poids à l'époque, parce que je faisais plus de 100 kilos. Ouais. Et donc voilà, c'est pas. T'étais à plus de 100 kilos. Ouais, t'as beaucoup maigri. Quand j'ai commencé, je faisais 113 kilos. Ah ouais. Eh ben. C'était gros. Hein. Je ressemblais à rien. C'était bœuf ou. Un peu des nœuds, tu vois, grassouillé, bœuf. J'avais une énorme barbe. J'avais pas de moustache à l'époque. Elle n'avait pas encore poussé. T'imagines la tête. Ah ouais, presque pu te lancer en poids lourd alors. Un ours, tu sais. Puis lassé de la force athlétique, tu as décidé de changer d'univers, de te reconvertir et d'atterrir dans le milieu des sports de combat. Mais ce n'est pas en tant que combattant qu'on t'a connu, c'est surtout en tant qu'arbitre de combat sauvage, on va appeler ça comme ça. Donc, Ibra TV. Donc Ibra TV, le concept, on le rappelle, c'est sur YouTube. Ce sont des combats un petit peu illégaux qui sont organisés avec des mises en scène assez spectaculaires, dignes de films. Et toi, tu étais arbitre pour Ibra TV. C'est ça. Alors, comment ça s'est fait? Non, c'est pas illégal. Hein. En réalité, c'est des sparring. Hein. C'est pas des combats de clandestins. Ah, c'est des sparring. Il n'y a pas de paris. C'est pas des combats. En soi, c'est même pas des combats. C'est des sparring qui sont filmés, qu'on met sur. D'accord. Un peu comme Greg MMA finalement alors. C'est ça, sauf que c'est un peu plus orienté, tu vois, c'est plus dur, quoi. C'est des sparring durs, c'est quand même des trucs, c'est pas des échanges, quoi, comme il fait Greg. Et oui, j'ai eu la chance de faire ça, et je le fais encore avec Ibra, franchement, on s'éclate, hein, que ce soit... Ouf. C'est des sparring durs quand même, on le voit à l'image. Ouais, des sparring bien durs, tu vois. Il a une notion, ouais, donc combat que lui. Combat illégal, quoi. Combat, c'est sparring, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, non, ça... c'est pas officiel, c'est pas des combats officiels. Mais comment tu as atterri alors dans ce business? Par hasard, un peu. Ibra, il est venu s'entraîner à la salle. Daniel l'avait croisé, il l'avait invité à venir s'entraîner avec nous. Il est venu s'entraîner, on a échangé, on s'est entraîné un petit peu en sparring, des vrais sparring. Pas des sparring comme ça, là. Des vrais sparring. Et les personnalités ont accroché. Et un jour, il m'envoie un message. Salut, tu veux venir avec l'accent. Salut, tu veux venir faire arbitre demain. Ok, vas-y, c'est bon. Je suis venu pour le fun. Et puis après, on a continué à travailler ensemble. Et après, maintenant, j'ai poussé un peu plus loin. En plus de faire l'arbitrage, je m'occupe de l'organisation des combats, du matchmaking. Ah ouais? J'aide à l'organisation. Et matchmaker pour Ibra TV, c'est fou! Pas sur la partie professionnelle, ça c'est Guillaume Pelletier qui s'en occupait. Ouais. Et par contre, sur la partie tout ce qui est street fight, sparring fight. C'est moi qui m'occupe de trouver les sparring. et combattre chez Ibra TV, tu l'as déjà fait? Je l'ai fait aussi. J'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion du premier événement professionnel d'Ibra. Qui était en France. On avait travaillé avec la Fédération française de MMA.
J'avais gagné par TKO et en plus ça m'a aidé, ça a été un tremplin pour passer au Bellator. C'était, oui, parce qu'il y avait eu un accord entre le Bellator et Ibra. On avait fait un YFC Fit Bellator, mm-hmm. et en gros il y avait deux contrats à gagner, malheureusement il n'y en a qu'un qui a été remporté, et j'ai eu la chance de remporter ce contrat et de pouvoir directement du coup enchaîner avec le... Ouais, Ibra qui est d'un soutien inconditionnel, il te suit partout tout sur tous tes combats. En Allemagne il était là au Bellator, c'est un super gars, il est vraiment sympa, humilité et tout, moi j'ai accroché avec lui. Mais on aimerait bien le voir un jour sur le plateau, vous nous le faites venir à l'occasion. C'est trop bien. Après il faut que celui... Je ne peux pas parler en son nom s'il n'est pas d'accord. Je ne vais pas le tirer, tu te dis. Ibra, si tu nous regardes. Hein. Mais je pense que c'est possible. Tu as signé pour combien de combats au Hexagone alors? J'ai signé pour deux combats. Ouais. Là, les deux combats ont été. C'était le premier? C'était les deux. C'était le deuxième. Donc j'ai fait deux combats, deux KO. Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, on va discuter avec Jérôme. On va voir si c'est possible de continuer à travailler ensemble. Ils t'ont reproposé ou pas encore? C'est pas encore dans les tuyaux. Je ne sais pas si on m'a reproposé. Là, je laisse le manager faire. Là, je suis en vacances. Moi, je t'avoue, je ne suis pas trop sur le. Donc je laisse le manager faire, je laisse le coach faire. Et puis voilà. Quels sont vos projets pour Mathieu, pardon? Mais en fait, il n'y a pas spécialement de projet. Moi, je fonctionne au jour le jour. Ouais. Je ne me projette pas. En fait. À la brésilienne, quoi. Ouais, franchement, je kiffe chaque moment. Regarde, là, on est là, on est entre nous, on s'éclate. Mmh. Voilà, quoi. Demain, je ne sais pas comment le jour sera fait. Donc, vas-y, on y va. Donc, le projet, pas de projet. Il avance par combat. Comme tous mes combattants, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est oui, ça se passe bien. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle organisation, toi, tu es là. Ils sont mais je là, crois que c'est le mieux, c'est d'être dans le présent. Pas se prendre la tête. Alors, justement, autour de toi, tu attires plusieurs tueurs à gages. Le deuxième dont on va parler aujourd'hui, c'est Romain Debienne. Waouh, quel chaos fulgurant. C'est dramatique pour Victor Verchère. Regardez le replay. De plus en plus, on a des tueurs à gages qui émergent de ton écurie, ou alors ils viennent d'autre part, mais ils sont attirés par toi. Tu les as toujours attirés, j'ai l'impression. Ah, c'est incroyable. Hein. Mais alors, d'où j'ai attiré les femmes autant que j'atterris les combattants. Mais d'où elle vient cette montée en puissance, Daniel? Comment tu l'expliques? Écoute, en fait, c'est les résultats. C'est que les résultats qui comptent. Les gens ne comprennent pas. On a beau faire Instagram, tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est important. Mais ce qui est important, c'est les résultats qui comptent. Mm-hmm. En fait, c'est un travail sérieux, dans la joie et la bonne humeur. On a une petite équipe, mais on avance doucement, mais sûrement. Hein. Et la locomotive de ce groupe, eh bien, c'est Benoît Saint-Denis. Avec ton expérience, quelle est la recette pour faire des champions? Je pense déjà qu'il faut de l'humilité déjà, et il faut beaucoup d'expérience en tant que coach en fait. Sans l'expérience, on n'est rien en fait. Les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que moi, ça fait quand même 20 ans que je suis dans le MMA, 40 ans dans le sport de combat, hein, parce que j'ai commencé la boxe thaï à 13 ans. Combien de ceintures as-tu en actif en MMA? Donc j'ai 3 ceintures à l'UFC, 2 au Strikeforce, 3 au RFA, LFA, ouais. J'ai un tas de ceintures en fait. Très beau palmarès. J'ai pas mal de trucs. Et en fait, c'est ça, c'est en fait avoir une méthode de travail, croire en sa méthode de travail et pas rester aussi figé. C'est-à-dire que moi, quand même, dans le temps, j'ai évolué par rapport à mon entraînement. À l'époque où j'étais avec Anderson, les Brésiliens, même à la Team Quest, on faisait des sparring durs. Avec le temps, j'ai vu que c'était pas si bon que ça. Donc, en fait, il faut être en constante évolution. En fait, il faut, et comme je vous dis, de la discipline. Par contre, il faut être régulier à l'entraînement. C'est pas parce que vous avez un gars qui est doué qu'il va y arriver. Il faut être régulier et l'humilité surtout. Jamais mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour ça qu'on y va étape par étape. Jamais je me projette comme Benoît. Je parle pas de la ceinture de l'UFC parce qu'on sait pas, jusqu'où on va aller. On avance toujours par étapes. Pour toi, le travail bat le talent? Ah bah oui, le travail. Regardez des gars comme Vanderlei, si on le prend techniquement. C'est moche. Ah, d'accord. Ah, le sol, il a zéro sol, il ne s'est jamais fait soumettre. Ouais. C'est une superstar. Donc, je crois vraiment que même quelqu'un de limité, qui travaille dur, il va y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Et je dirais même quelqu'un de trop doué, c'est un handicap.
Moi, j'étais doué hein, quand je faisais de la boxe thaï. Mm-hmm. J'étais assez doué techniquement, j'apprenais rapidement. Mais il y a un côté où j'étais pas assez forcené à l'entraînement. Il vaut mieux ça se faire ailleurs. Ouais. Voilà, exactement. Tu prends la confiance un petit peu. Exactement, tu es trop confiant. Ouais. L'excès de confiance, c'est l'ennemi du combattant. Mm-hmm. Exactement, ouais. Bien sûr. Mm-hmm. C'est important la confiance. C'est important la confiance, mais pas l'excès de confiance. On a vu au Bellator ce qui s'est passé avec Mathieu. Il était trop à l'aise. Et trop à l'aise, quoi. Donc, il s'est fait toucher. Ouais. C'est trop dangereux. Ouais. Alors, Benoît Saint-Denis, il a un mental hors norme. Est-ce que ça se retranscrit dans le groupe? Est-ce qu'il y a une énergie comme ça qui traverse le groupe? Bien sûr. Ouais. En fait, quand vous avez... Il faut savoir que dans un club, quand vous avez que des combattants forts, de bon niveau, de forte mentalité, ça déborde sur le groupe. Hein, et le coach aussi. Le coach aussi, c'est comme une orange pourrie hein, dans un groupe, c'est pareil. Mmh. Et puis nous, on a un mental... mon style aussi, c'est un style quand même assez agressif, hein, c'est-à-dire que agressif entre guillemets, hein, dans le bon côté des choses, c'est très technique, mais on va de l'avant, tous les combattants ils vont de l'avant, parce qu'il ne faut pas oublier que le MMA, il faut être agressif. C'est du 4-11, et si vous connectez au bon endroit, généralement les gars ils descendent. C'est pas du touche-épaule qu'on fait. Nous, on travaille le touche-épaule à la salle, hein, des fois, pour travailler les distances. Mais quand on rentre en combat, on va chercher l'efficacité. Voilà. Moi, je l'ai vu, ça, par rapport à Romain, que tu as depuis... Ça fait trois combats que tu l'as, Romain. Trois combats que j'ai, Romain. Moi, j'ai connu Romain avant. C'est pas le même Romain. Ça n'a rien à voir. Là, sur ses trois derniers combats, donc il fait deux KO sublimes. Et le troisième, c'était à Nîmes. Oui. Il était en 84 kilos. 84 kilos. Encore autre chose. Oui. Et c'est pas le même, donc il y a la patte voire un. Et 5 rounds en plus, il fait 5 rounds en plus. Et en plus il fait 5 rounds d'anime, il prend la ceinture du GFA. En fait, tu l'as transformé. Donc il y a une école voire un, il y a une école d'agressivité. Et dans le coin, à la minute de repos, je trouve que tu donnes une énergie, tu transcendes tes combattants en fait. Moi-même commentatrice, quand je l'entends, j'ai envie d'aller dans la cage combattre. Non, mais moi, c'est vrai que je suis vraiment dedans. Hein. J'ai fait une fois, je peux vous donner un exemple. Une fois, c'était Mehdi Bagdad, il combattait, vous vous rappelez, pour la ceinture de la RFA. Ouais. C'est un truc important. Derrière ça, il a signé à l'UFC. On était au quatrième round, il perdait le combat. Hein. Je lui ai mis des claques. Hein. Ça a choqué tout le monde. Sauf que derrière, il met un coup de coude, il met KO le mec direct. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, moi, je me rappelle quand j'étais combattant, parce qu'on se rappelle quand on était jeune, quand on combattait. Mon prof, Jamel Berandou, mon premier prof, il me secouait et c'est vrai que ça vous fait repartir. On n'est pas là pour sortir des poèmes dans le coin. Mmh. C'est vrai que des fois, ça peut choquer certains spectateurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Oui, mais ils ne leur laissent pas le choix, en fait. Ouais. Mais en fait, tu leur laisses pas le choix. Exactement. Et en fait, moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. On est dans le combat, on veut gagner, donc on essaie de transcender le gars, on essaie de le réveiller. On essaie de le booster et généralement ça le rebooste pour le combat et on essaie de donner des bonnes informations. C'est pas évident en une minute, mais en fait il faut savoir que ce que je veux dire aussi au public français, parce que moi je refais mon nom maintenant en France. J'ai un gros nom à l'international, mais en France, j'étais pas connu. Je parle du grand public. Du grand public. Je parle pas des anciens. Mais il faut savoir, je suis pas arrivé par hasard à entraîner les Anderson Silva, les Dan Anderson. J'ai pas été parachuté. J'ai aucune aide. Je suis parti de zéro. Je faisais du porte à porte au Brésil pour pouvoir donner des cours. Et de rien, on peut soulever des montagnes. Mais donc c'est pas pour rien que j'ai ces résultats. Mais je m'enflamme pas parce que rien n'est acquis dans la vie. Hein. Attention. Hein. Mais c'est justement ce que j'allais te dire. Tu passes ta vie à te réinventer, que ce soit au Brésil, aux USA, donc tu as embrassé plusieurs carrières hein, de coach, et à chaque fois tu as réussi à t'entourer de combattants d'élite. Quand tu es revenu en France, on t'a offert l'opportunité d'entraîner au Venom Training Camp. Finalement, il y a eu quelques polémiques autour des remerciements que tu as pu recevoir, mais tu te réinventes encore et ta team elle est en train d'exploser à nouveau. Explique-nous un petit peu comment tu le vis aujourd'hui. Est-ce qu'il te reste des aigreurs ou au contraire est-ce que tu t'en es servi comme une force pour avancer? Bah oui, en fait, je m'en sors comme une force. Quand on me sous-estime comme ça, je veux montrer au monde entier que non, moi, je lâche pas, en fait. Et comme les requins, tu t'arrêtes pas de nager. Exactement. En fait, tu sais, c'est un peu... Toi, tu as la lumière et on va te mettre des bâtons dans les roues, mais tu continues ton chemin. Il faut pas lâcher. Il faut pas oublier que quand je suis revenu des États-Unis, j'étais en Ukraine travailler. Les gens, ils savent pas. Et j'ai entraîné deux grands combattants qui sont à l'UFC. Roman Dolice, hein, qui est en 84, qui est top 10. Ultra fort, lui. Ultra fort. Et Sergei Pivak, qui est poids lourd, qui fait le main event contre Rosenstruth, je crois. Hein. Mm-hmm. Donc, en fait, je lâche rien. Et puis, en plus, c'est une passion. Mon moteur, c'est ma passion. Et en fait, j'aime bien casser les codes. Parce que là, ça, c'est jouissif, entre guillemets. Aussi, même si tu étais un, moi, on se connaît, hein, mais tu sais ce que tu vaux. Oui, voilà. Tu sais que tu vas y arriver, Daniel. Moi, voilà, j'ai suivi ton évolution, que ce soit dans le Muay Thai ou dans le MMA. Tu sais ce que tu veux, t'en es conscient, mais t'as cette humilité et cette force de travail qui fait que t'avances et t'emmène, t'attire les gens avec toi. Parce qu'on sait qu'il va y avoir du résultat.
Et c'est, ça doit être hyper, hyper, comment, c'est génial pour des combattants d'avoir un coach comme toi. Et je te dis pas, je te tire pas les pompes, on se connaît. Non, mais c'est vrai, Daniel. Oui, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais moi, je suis réalisé, en fait. Donc, voilà. Non, mais je peux m'arrêter demain, c'est bon. Hein. Ouais, d'un point de vue professionnel, c'est exactement ça. On a l'impression que tu as tout vécu. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Il y en a pas. Non, juste tu prends le plaisir. Kiffer. Ouais, franchement, kiffer et voir juste pour voir. Voilà, je kiffe chaque moment avec mes athlètes, que ce soit du petit niveau au niveau. Là, on est avec Benoît à l'UFC, c'est incroyable. C'était inédit. C'était inespéré. Ouais. Voilà, inespéré. Mm-hmm. Et voilà, c'est le top, quoi. Les prochaines dates importantes, justement, donc ce sera Benoît, qui d'autre? Alors là, à 3, on va à un show à 3. Il y a Emerson qui combat à 3. Ce week-end, au Explosif. Explosif 10. D'accord. Pardon. Oh là, putain. Quoi d'autre comme date? Et après, il y a, comment ça s'appelle, Benoît Saint-Denis à Las Vegas, donc le 18 février. Là, c'est un gros combat parce qu'en fait, c'est le dernier du contrat. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais pareil, on y va sans pression, on s'en fout. Mmh. On vient, on va donner tout ce qu'on peut. Voilà, c'est tout. Hein. Très bien. Et puis nous, là, l'actualité niveau du calendrier, c'est Arès qui se met en face du Bellator le 12 mai. Incroyable. Ah, bon, pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui a pu passer dans la tête des organisateurs de l'ARES pour se dire on va faire une soirée le même soir que le Bellator. Le Bellator arrive à Paris, il y a Mansour Barnaoui qui combat pour le tournoi des 1 million de dollars. Il va y avoir une flopée de Français, peut-être même Mathieu, on ne sait jamais. On a envie de voir tous ces Français à Bercy, au Bellator. Et à côté de ça, il y a l'ARES qui nous sort une carte. Oui, il y aura... Les combattants ne sont même pas au courant. Alors, une carte qui devrait être historiquement la plus belle de toute l'histoire de l'ARES. L'histoire d'ARES, sauf qu'effectivement, il y a des combattants, ils ne savaient même pas, ils ont été annoncés, ils ne savaient même pas qu'ils combattaient. En fait, je ne comprends pas l'intérêt. Parce que. La billetterie est déjà ouverte, hein, pour mai. Hein, la billetterie est déjà ouverte. Ils ont mis Mathieu ou quoi? Je vais aller checker, là, parce que là, tu m'inquiètes. La billetterie est ouverte et c'est dommage parce que ARES fait de super événements. Le Bellator arrive, c'est un super événement. Pourquoi le même soir? Le public français va se dire, je vais où? Ouais, c'est prendre un petit peu en otage le public français. Hein, et c'est dommage. Et au niveau fair play, sportivité, voilà, c'est border. Voilà, ça me... Pas l'ego par hasard, non? Ouais, mais bien sûr, c'est évident. Ça doit être ça. On va contrer le Bellator, parce que le MMA français est en pleine expansion, c'est génial pour ça. Mais s'il vous plaît, il y a... Non, mais c'est le Bellator. Le tournoi à 1 million de dollars, on a vu l'affiche. Et encore, non, on n'a même pas vu l'affiche. Non, on a vu seulement quelques noms. Elle va être incroyable, Mansour, la carte du Bellator. Il y a Pitbull, je crois. Pitbull est dans le tournoi, mais là, il y a Mansour, il y a Gegard Moussassi qui est sur la carte. Le reste, on ne sait pas. Mais par exemple, moi, je rêve de voir... On a quelques noms déjà. On a pas mal de Français. Si, ça va être une carte exemple, de dingue. Par exemple, si Lucie dingue. Gagne à Dublin, moi, je rêve de la voir à Paris, là, au Bellator. On a des Français pour le moment, Bellator. Il y a Thibaut Boutti qui va être de la partie, il y a pas mal de Français. Ça va être un gros truc. Hein. Encore une fois, l'ARES fait de très beaux événements, mais de grâce, ne mélangeons pas tout. Mais surtout, on ne comprend pas la motivation qu'il y a derrière ça, en fait. Bref. En tout cas, ça, c'était le petit coup de gueule du jour. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. C'est la tournée médiatique. En plus, j'arrête pas de le voir dans tous les shows. Franchement, lui, il me donne de la force. Dès que je le vois, je sens qu'on caote. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je porte bonheur à la tournée. Oui, c'est vrai. Tu fais quoi le 25 février? Le 25 février. Je t'invite à Dublin. Allez, go. Ah, mais je viens. Merci beaucoup, messieurs, pour cette bonne humeur. À très vite sur le plateau des MMA Extra Round. À bientôt, bye bye. Ciao.